Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'était une promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham. Combien de temps Abraham t'a fait même pour promesse à t'accomplir? D'après vous-même, est-ce que il était temps pour 5 ans? Est-ce qu'il était temps pour 10 ans? Est-ce qu'il était temps pour 20 ans? Non. Abraham était temps 25 ans avant que il t'ait ouais promesse à réaliser pour lui. Peut-être qu'on va poser cette question au moment là que oh mes amis 25 ans pour mon temps 25 ans pour t'a prié bon Dieu pour un bagage sous 25 ans que et ça que t'a prié à réaliser. Juste imaginez que vous priez jodi là et puis vous avez le temps de 25 ans pour une promesse, pour un bagage que vous avez prié bon Dieu que c'est le ça que vous allez réaliser. 25 ans, ça long en pile année a passé. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Capable même dire même ça trop long. Mais qui ça ça enseigne nous-mêmes? Ça pour comprendre dans ça, c'est que plan bon Dieu gagne pour l'a accompli quand même. Il ne devait pas accompli jeudi, hein? Il ne devait pas accompli demain, il ne devait pas accompli année, hein? Il ne devait pas accompli l'autre année. Une chose est sûre et certaine, l'a pas accompli quand même avant même que mourir. Plan bon Dieu gagne pour nous, contraire avec plan que nous gagne. Et si Abraham était capable de tout le temps ça, 25 ans pour promesse que bon Dieu t'a fait sur la ville à réaliser, c'est que bon Dieu t'a préparé pour être capable de recevoir la bénédiction. Ça fait nous que des fois, bon Dieu, c'est préparation qu'il a fait pour nous, qu'il prend temps avant même que lui réalise ça qu'il a demandé là. Puis il y a plein de plaintes pour crier en pensant que la vie hein, ne vaut pas la peine. Le fait que vous avez prié bon Dieu pour un bagage et jusqu'à cette présente minute, et vous avez le temps passé que ça n'a pas jamais réalisé. Mais plutôt, retenez avec joie pendant que vous gardez vos yeux fixés sur Jésus et vous attendez pour mettre ça, bon Dieu, c'est fait pour vous. Utilisez tout le temps que vous attendez pour être capable de grandir dans la foi et que pour être capable de plus faire confiance. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, verset 3. L'édit dans Habacuc 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Promesse bon Dieu. Toujours là. Yo pap jam fini. Alors, kembe ferme dans la foi. Et puis après, qui jan promesse yo ap réalisé nan nom Jésus. Merci à vous même qui t'a gardé vidéo ça. Mwen t'a bien aimé l'autre vidéo intéressante, même Jacques sort t'a gardé là. Mais avant ça, la mande pour abonner à nous, like page là et puis partager pour tout le monde.